Salut, salut a tous e soyez les bienvenus sur Instagram. Sejam todos muito bem-vindos aqui no Insta. Hoje eu vou ter uma convidada e talvez um convidado muito especiais, que são dois professores de francês, Fleu, como a gente fala, que vão entrar daqui a pouquinho aqui também. E hoje vocês vão ouvir 100% français. On va parler qu'en français, a gente vai falar só em francês. Então se você está entrando aqui, se você está assistindo a gravação ou se você vai entrar ao vivo, fique ligado, fique ligada que a gente vai conversar com a Maya. Je vois que Maya vient de se connecter. Maya, j'explique juste à tout le monde qu'on va parler 100% en français parce qu'ils sont habitués à... Souvent, ils m'entendent parler en portugais. Mais aujourd'hui, alors je t'appelle... Voilà, répondre en diffuser en direct. Voilà. Tcha-tcha! Coucou Maya! Salut! Ouais, ça va bien, toi? Ça fait très plaisir de te rencontrer, en tout cas. Moi aussi, ça fait très très plaisir. J'ai l'impression que depuis que j'ai commencé mon compte, vous étiez soit... Ça fait combien de temps que vous avez commencé, vous? On a commencé en 2016, donc ça va faire... Ah, en 2016, ouais. Donc avant moi. Mais je me souviens que depuis que j'ai créé mon compte, moi je l'ai créé en 2018. Et depuis que j'ai créé mon compte, je me souviens que j'avais vu le vôtre, que j'avais trouvé ça super. Alors, je suis très contente qu'on ait pu parler aujourd'hui, qu'on puisse être là. Et de faire découvrir aussi à tout le monde votre travail, qui est un travail extraordinaire pour ceux qui veulent apprendre le français. Merci. Y a-t-il des Canadiens? Il y a déjà des gens qui demandent s'il y a des Canadiens. Alors, Maya, j'ai pensé que pour que mon public vous connaisse, te connaisse en tout cas aujourd'hui, je ne sais pas si Charlie sera là ou pas. Mais pour qu'ils connaissent Street French, ce qu'on pourrait faire, c'est un petit jeu de questions-réponses style portrait chinois. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un portrait chinois, un portrait, c'est une image qui représente une personne. Et chinois, c'est la nationalité. Et alors, je n'ai aucune idée pourquoi ça s'appelle portrait chinois ensemble. Mais c'est donc des questions complètement sans sens auxquelles on répond rapidement pour essayer de comprendre un peu qui est l'autre personne. Je ne sais pas si c'est la meilleure façon d'expliquer ce que c'est un portrait chinois, mais bon. Voilà. Alors, Maya, donc tu nous as dit que tu as commencé ton compte en 2016. Juste pour commencer, tu es française. Ouais, moi je suis française et Charlie est américain. Mais toute l'histoire du début du compte, c'était raconter comment Charlie a appris le français, ce qu'il a aidé. Il donne des cours de français depuis bien longtemps, même avant Street French. Et du coup, c'est voilà, c'était tout un projet complet comme ça. Mais toi, à la base, tu n'étais pas prof de français? Non, mais alors non, moi je suis rien à voir. Je suis artiste. Je travaille dans le domaine du design, du graphisme, du motion design. Mais j'ai toujours, je suis à la base bilingue. Je suis française et croate, mais je parle aussi l'anglais. Et j'ai toujours été passionnée de langue et j'ai toujours aidé les gens dans mon école avec le français. J'ai commencé à donner des cours de français quand j'étais étudiante. Donc, c'est toujours quelque chose qui m'a travaillé, qui m'a passionnée un peu à côté. Tu as la double nationalité ? Non, pas du tout. Je suis née en France et j'ai vécu en France. Mais on n'a jamais fait le processus de faire la double nationalité. Je ne sais pas pourquoi. Ça ne s'est jamais fait. Je pense que j'ai toujours voulu avoir, au cas où, un spot ouvert si je veux choisir une autre nationalité. Mais ouais, voilà. D'accord. Et alors, mais maintenant, tu donnes aussi des cours de français ou pas? C'est ça, ouais. C'est surtout Charlie qui donne la grande majorité des cours de français. On fait les vidéos YouTube et tout le contenu ensemble. C'est pour ça que je suis un peu plus présente sur les réseaux sociaux, enfin ma tête. Mais lui, il s'occupe plus de la partie cours. Je donne des cours à des gens qui sont un peu plus avancés, qui ont déjà quelques bases. Charlie va vraiment s'occuper des gens qui démarrent à zéro, qui démarrent de zéro. Mais voilà, mais oui, en tout cas, je les aide à... Je les aide à discuter. J'ai aidé des gens à rédiger des mails très professionnels parce que je le fais tout le temps dans mon travail en tant qu'artiste. Donc, je peux très bien les aider là-dessus. Voilà, je leur apporte toute la part aussi
culturel et le sens derrière les phrases, les mots, qu'est-ce qui est mieux de dire, pourquoi. Donc voilà, Ben, c'est j'apporte cool. Et si tu étais un tableau, tu serais lequel donc? un tableau, oh mon Dieu, peut-être c'est un peu bête, mais peut-être un tableau de Monet. C'est un premier, une nymphéa, Oui. plein de très impressionniste, très flou, mais très beaucoup dans l'émotion. Et du coup, toutes les images que vous publiez, c'est toi qui les fais. C'est toi qui les dessines. C'est ça, c'est ça. Je m'occupe du graphisme, des illustrations, toute l'identité visuelle, le logo, tout ça, c'est voilà, Cool. Et tu ouais. travailles dans une seule entreprise ou tu travailles en tant qu'indépendante? Comment tu fais? Alors, en ce moment, j'ai travaillé dans une entreprise avant, puis on a commencé Street French. Aujourd'hui, j'ai un client, un artiste pour lequel je travaille, avec qui je fais du motion design régulièrement, mais sinon, c'est Street French et Street Art. J'essaie de me concentrer là-dessus, mais c'est vrai que de temps en temps, je travaille pour des bureaux de tendance aussi. Mais notre, là, le principal, on essaie de faire avancer Street French. Voilà, Italie 100% sur la poursuite. J'avais oublié de laisser ton nom, donc voilà, je l'ai laissé épinglé ci-dessous. Et si tu étais une chanson, tu serais laquelle? C'est bête, mais sûrement parce que tu sûrement parce que tu viens. Enfin, je sais même pas si tu. Enfin, vu Je que t'ai pas la expliqué, moi je suis musique. franco-brésilienne. Je suis franco-brésilienne, ma mère est française, mon père est brésilien, j'habite au Brésil. Ah, Et voilà, donc c'est ça, j'ai c'est été au beau. lycée français au Brésil, et ma mère habite en France, mon frère aussi. Trop bien, Et ok. voilà. Ma mère, Et elle t'es habite à où? Nîmes, et mon frère, il habite dans la région parisienne, dans la banlieue en fait. Il habite à côté de Paris, c'est Alfortville. Tu vois où c'est? Oui, c'est pas très loin. Ouais, Ouais. super. C'est vrai que on regarde souvent ton contenu, mais vu que tout est en portugais brésilien, on ne comprend pas forcément tout. Mais pour revenir à la chanson, sans doute parce que tu es franco-brésilienne, je pense à la chanson Água de Março, Oui, je très pense. bien. Águas de Março. Voilà. Chantée par Moustaki. Tu l'as déjà écoutée, cette version? Alors, je ne sais plus les noms exactement, mais sans Non, doute. Moustaki, Georges Moustaki, le français, Ah oui. le grec français. Je l'ai pas entendu celle-là, je connais plus la version de la chanteuse brésilienne. Parce que Moustaki, il a fait sa version en français et portugais. Donc tu pourras l'écouter après, tu vas bien aimer. Il y a Marrant, d'ailleurs d'accord. beaucoup de correspondants. Enfin, ça n'a rien à voir, la musique brésilienne n'a rien à voir avec la musique française, avec la Ouais. chanson française, mais beaucoup de chanteurs français ont repris des morceaux brésiliens. Il y a un chanteur brésilien que j'adore qui a créé une très très belle chanson qui s'appelle Joana Francesa. C'est Joana Française. Et en fait, il mélange le français et le portugais. Je raconte toujours aux gens, par exemple, il prend le mot d'accord en français. Il dit d'accord. Mais quand il le répète au fur et à mesure, ça devient un mot en portugais qui est acorda, qui veut dire réveille-toi. Alors, il joue avec les mots, c'est magnifique. Après, je t'enverrai sur ton compte pour que tu Ah écoutes. ouais, je suis curieuse. Est-ce que je peux te renvoyer la question? Quelle chanson tu serais? Ouais. Alors, je connais pas de chanson croate, donc je pourrais pas utiliser la même stratégie Ouais. que toi. Quelle chanson je serais? Je pense que ça dépend du jour. S'il y a une chanson qui m'a marqué mon enfance, je vais utiliser ça. Ça n'a rien à voir avec la question que tu m'as posée, mais c'est ce que je vais répondre. Ma mère, elle me racontait toujours. Ma mère, elle est du sud de la France et ses parents, ils avaient. Ma grand-mère est née en Algérie. Et à un certain moment, quand ma mère avait 13 ans, elle est partie en Algérie vivre 2 ans en Algérie. Et elle me raconte toujours qu'elle était sur le bateau et ils étaient partis du port de Marseille et qu'elle chantait. Alors c'est un peu ringard. Elle chantait une chanson de Françoise Hardy qui s'appelle La maison où j'ai grandi. C'est très ringard en fait. Tu vois laquelle c'est? Vers mes souvenirs. Et Ouais, alors voilà, je sais pas pourquoi je pensais à cette chanson, donc aujourd'hui je saurai cette chanson-là. je vois.
Excellent. Maya, qu'est-ce que tu connais? Est-ce que tu as des étudiants du Brésil? Vous avez des étudiants du Brésil? Je ne sais pas si vous savez ou pas. Moi, personnellement, j'en ai pas eu, j'ai pas suivi toutes les personnes que Charlie a vues. Peut-être, mais moi, j'en ai pas eu. C'est quand même beaucoup d'anglophones, sans doute parce qu'on parle en anglais et que vu que Charlie est américain, il raconte son expérience en tant qu'américain. Donc, je pense que sans doute, c'est pour ça qu'on parle plus aux anglophones. Mais en tout cas, il y a des gens un peu du monde entier, de Grèce. Et Mais je sais que vous aimez spécialement la culture asiatique. oui, oui, c'est vrai. Et qu'est-ce que tu aimes de la culture asiatique? C'est bête, mais c'est une fascination depuis que je suis toute petite. Je pense que ça a commencé toute petite où, oui, je parle une autre langue, donc j'étais contente de ça, mais j'ai toujours rêvé de pouvoir lire et écrire dans un autre alphabet. Et le croate, on utilise l'alphabet comme le français, voilà, le brésilien, mais je ne savais pas lire le cyrillique. C'est une histoire très bizarre, je sais, hein, mais je ne sais pas pourquoi ça a toujours été une frustration de ne pas savoir. J'ai toujours voulu lire dans un autre alphabet. Et une amie d'une nounou était japonaise et elle m'a écrit quelques mots sur un bout de papier. Et je suis là, oh mon Dieu. Et depuis, ça m'a toujours travaillé. Et puis après, voilà, culinairement, l'art et la culture m'a beaucoup inspirée aussi dans ma façon de créer. Même dans les vidéos que je crée, souvent, c'est très zen. Enfin, mine de rien, tout est relié. Moi, personnellement, Charlie est moitié asiatique, donc forcément, il est aussi très lié à la culture, et voilà, je pense que c'est aussi quelque chose qu'on a en commun. Ça nous parle et on rêve d'aller y voyager un peu Mais plus vous êtes longtemps. allé, non, au Japon? Oui, on est allé au Japon, c'était quoi? C'était il y a 2 ans maintenant, je pense. C'était la première fois qu'on y allait tous les deux. C'était la première fois pour lui et pour moi. Et c'était un rêve d'enfance pour les deux, vraiment. Voilà. Super. Alors, je vais te raconter un truc et après, je te pose une question qu'on m'a posée ici, donc qui est pour toi. La première chose, c'est, je ne sais pas si tu sais, mais São Paulo, qui est la ville où j'habite, il y a la plus grande concentration de Japonais en dehors du Japon. Ah, c'est incroyable. Ok, Il y c'est a, je ne sais pourquoi pas pourquoi au Brésil, il y a eu beaucoup, beaucoup d'immigration. un Enfin, je ne sais pas peu? pourquoi. Si, parce que c'était une nouvelle ère, etc. Donc, il y a eu beaucoup de Japonais en 1901, en fait, qui sont venus. Si je ne me trompe pas la date, hein, s'il y a des gens qui savent me corriger, vous pouvez me corriger. Et alors, il y a énormément de familles. D'ailleurs, mon mari même, qui s'appelle Paolo, il n'est pas d'origine japonaise, mais sa mère a été mariée après avec on appelle un Nisei. Un Nisei, c'est quand il est père ou mère japonais et que les parents sont japonais, et lui, il est né au Brésil. Donc, on l'appelle un Nisei. Et après, les petits-enfants de japonais, c'est les Sansei. Après, il y a d'autres noms, mais donc tu vois, c'est tellement fort pour nous à São Paulo spécifiquement que la nourriture japonaise, c'est très 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 commun. Il y a un quartier qui s'appelle Liberté, Liberdade, qui est le quartier japonais avec les lampadaires japonais, avec les supermarchés japonais et tout. Un quartier entier comme ça avec plein de restos japonais et tout. Et il y a beaucoup, beaucoup de gens. D'ailleurs, s'il y a quelqu'un ici qui est Nisei ou Sensei, racontez-nous. Et en fait, quelqu'un a demandé ici où est-ce que tu habites exactement. Donc, tu as dit que tu habites à Paris. Tu habites dans quel arrondissement? Alors, on n'aime pas forcément dire très Ah précisément, non, mais par ne contre, dites oui, pas. on est dans le centre de Vous êtes Paris, dans ouais. Paris même. Ouais, on est dans Paris même. Ouais. Ok. Et quel est ton endroit préféré à Paris? Je pense que c'est peut-être un peu cliché, c'est bête, hein, mais j'adore Notre-Dame et Charlie et moi, c'est notre endroit préféré. On y passe beaucoup de temps et c'était assez difficile quand il y a eu l'incident, l'incendie, ou l'incident, les deux, ça marche, l'incendie. Mais ouais, je pense que Notre-Dame, c'est l'un de nos endroits préférés. Et vous y allez Mais encore? Vous passez ouais, de. on continue d'y aller, du coup, on voit l'évolution et maintenant on n'a plus la flèche, mais maintenant la nouvelle flèche, c'est la grue à côté. Enfin, c'est assez étonnant
de voir toute la transformation de cet endroit qui était éteint, il n'y avait pas de lumière pendant des mois et des mois. Maintenant, il y a la lumière qui est revenue. Et le périmètre se rapproche de l'église, on peut se rapprocher un petit peu. Donc, c'était aussi triste, mais aussi intéressant de voir le truc évoluer un peu. Ouais, mais bon, même s'il y a eu cet incident, on continue à aimer. Et il y a beaucoup de touristes encore? Bah, alors, à cause de la pandémie, non. Il y en a eu bien sûr un petit peu, mais c'est plutôt des touristes proches ou des touristes de France. Mais non, c'était plutôt calme en fait cet été. D'habitude, c'est vidé parce que quand les Parisiens partent en vacances, c'est marrant parce qu'il y a des quartiers qui sont totalement vides et des quartiers remplis de touristes. Il y a un contraste très fort au mois d'août. Mais là, parce qu'il y avait moins de touristes, tout était assez vide et c'était comme si on était de nouveau confinés. C'était un peu bizarre. Mais en ce moment, c'est plutôt calme niveau touriste. J'ai pas compris Regina. Regina a mis une question, mais j'ai pas compris ce qu'elle veut dire. Quel concert elle préfère regarder? Concert? Concert en portugais, Regina, ça veut dire un show. Que show elle préfère regarder? Non, non, Peut-être une entendi muito série? bien. Comment? Peut-être une série ou. Non, concert. En portugais, concerto, c'est un concert de musique classique. Mais je pense qu'elle veut dire, je pense qu'elle parle plutôt de musique, vraiment. Donc, est-ce que tu as un style de musique préféré? Oui, je pense que style de musique, je suis très un peu enfant des années 90, je suis encore dans le R&B et j'adore ce qui se fait aujourd'hui dans le néo-soul, hip-hop, Charlie. Enfin, moi j'écoute, j'adore juste les lo-fi, les playlists de lo-fi et je suis très contente, mais Charlie écoute beaucoup de néo-soul, hip-hop et ça me parle beaucoup parce que ça me rappelle tout ce que j'écoutais quand j'étais ado ou enfant, quand j'ai Et vous grandi. écoutez de la musique en français ou pas du tout? Un petit peu, pas trop en fait. Pendant long, il y a eu toute une période où je trouvais pas grand-chose qui me plaisait, mais petit à petit, il y a des chansons qui sont pas trop mal. Mais c'est vrai que j'écoute pas souvent de choses en français. Et en ce moment, j'aime juste des instrumentaux, lo-fi, juste un truc en fond assez chill, comme on dit. Est-ce que tu penses que je te pose des questions qui vont d'un sens à l'autre. Est-ce que tu penses que le confinement va se refaire en France? On va reconfiner. Je sais pas trop. En ce moment, ça a l'air de repartir doucement, donc les gens commencent à être inquiets. Je sais pas si ça serait un confinement aussi général. Enfin, moi, j'y connais rien. Personne ne connaît la réponse à cette question, mais peut-être par région ou peut-être par catégorie de personnes, si les gens sont plus ou moins âgés. Peut-être que ça sera un confinement partiel. J'ai l'impression, c'est des choses que j'ai entendues, mais on ne sait pas trop vraiment. Ici au Mais Brésil, comment ça? on est le deuxième pire pays par rapport au Covid. En ce On a moment ou encore, oui, il y a les États-Unis et puis en deuxième, c'est le Brésil. Et en fait, on n'a jamais été vraiment confiné comme en France où c'était vraiment la loi, etc. C'est pour ça aussi qu'on est le deuxième pays. Malheureusement, je ris, mais je devrais pas. Et ben, je sais pas. Par exemple, les écoles. Notre année scolaire commence en janvier-février, et termine en décembre. Là, ils sont en train de dire que les écoles vont peut-être reprendre au mois de septembre. Donc, ça fait un bout. Ils ont perdu un semestre déjà. Et je pense pas que ça va reprendre en septembre parce que c'est trop de risques. Et je sais pas, je sais pas. Alors, le problème, c'est ça, c'est que comme on n'a pas fait de confinement, on a l'impression que ça se prolonge encore plus parce qu'il n'y a pas eu de vrai confinement. Et alors même, il faut porter le masque. En théorie, on a des amendes si on ne porte pas le masque, mais il y a plein de gens dans la rue qui ne portent pas le masque, les bars sont pleins. Bien sûr. Et tu peux pas porter le masque partout, dans les restaurants. Les gens vont être dans les restaurants, mais tu peux pas le porter. Donc, tu continues à contaminer. Ouais, c'est compliqué. Ils donnent les amendes vraiment ou Je sais pas, j'ai jamais entendu, je sais pas si quelqu'un ici a reçu une amende ou su quelqu'un qui a reçu une amende. Moi, j'ai jamais entendu. De toute façon, moi, je suis quasiment confinée. J'ai un bébé d'1 an et 4 mois Ah bah quand même.
à São Paulo, je vis avec mon mari et mon bébé, et mon père vit à côté. Et alors, du coup, on a de contacts qu'entre nous. Et comme mon père a presque 70 ans, on a décidé de ne pas trop le mettre en risque, de ne pas... Toi, ta famille habite à Paris aussi ? Oui, mes parents sont à Paris. Pendant le confinement, ils étaient, ils sont partis juste un peu en dehors de Paris, à 1 heure de Paris, dans la campagne, pas loin, pour pas être dans Paris. Et comme ça, en plus, ils étaient isolés, donc c'est bien. Je les ai pas vus pendant tout le confinement, mais heureusement, tout s'est bien passé. Et là, ils sont même partis en vacances en Croatie. Enfin, ils sont un peu fous. Ils s'en fichent. Ils pensent qu'ils sont. Qui est croate dans ta famille? Ma mère est croate. Et elle habite en France il y a combien de temps? Ça va faire longtemps. Ils se sont rencontrés quoi dans les années 70 et ça fait 40 ans qu'elle est en France, un truc comme ça. Ouais, elle a vécu plus longtemps, je pense, en France finalement que. Oui, ma mère aussi. Ma mère, elle est venue au Brésil, elle avait 30 ans. Et elle a divorcé de mon père et elle s'est remise avec un ancien amoureux de son adolescence et qui est français donc et qui est de Nîmes et elle est repart. En fait, elle faisait un peu la vie entre la France et le Brésil et avec le confinement, elle était en France donc elle est plus rentrée au Brésil depuis. Mais elle a vécu 30 ans en France, puis après elle a vécu 34, 35 ou 36 ans au Brésil. Et après, elle a commencé la vie entre la France et le Brésil. Ah, quand même entre la France et le Brésil. Maintenant, oui. Ouais, tout à fait. C'est un chemin beaucoup plus long. Parce que nous, on peut prendre la voiture pour aller en Croatie. C'est long, mais c'est possible. C'est combien d'heures ? Ça dépend, mais c'est 1400 kilomètres. Donc, ça peut être 20 heures, 17 heures si tu roules très vite. C'est comme d'une ville à l'autre à l'intérieur du Brésil. Tellement le Brésil est grand. C'est comme ouais, les États-Unis. Ouais. C'est marrant, c'est pas la même échelle. Ouais. Non, pas du tout. Qu'est-ce que tu connais du Brésil ? Est-ce que tu connais quelque chose ou pas ? Oui, c'est bête, mais c'est pas parce que je suis fan ou quoi, mais j'aime beaucoup la culture du Brésil. Je connais pas grand-chose, mais j'ai fait partie d'une batucada pendant 2 ans. Ah. C'était très cool. C'était plus des sons de Bahia que Rio de Janeiro. C'était pas carnaval, c'était plus Bahia. C'était cool. Et après, oui, moi, le Brésil, c'est beaucoup la musique, mais je pense comme beaucoup de gens, c'est beaucoup bossa nova. Moi, les rythmes de samba, ça me rend folle, en fait. Quand j'entends ça dans la rue, j'adore. Ça me donne envie de danser. Donc, pour moi, le Brésil, c'est beaucoup la musique. Et c'est marrant, avec Charlie, on est passionnés de, je pense, manger, comme beaucoup de gens. Et c'est vraiment un hobby. On regarde absolument tous les documentaires qui existent sur la bouffe, quoi. Et on regarde des choses sur l'Amérique du Sud et on se rend compte qu'il n'y a pas grand-chose qu'on sait sur culinairement, sur le Brésil et tout ça, parce qu'il n'y a pas vraiment une communauté brésilienne à Paris ou en France. Donc voilà, c'est les choses les plus simples comme ça, en tout cas la musique, ça me parle. Il y a pas mal de Brésiliens qui habitent en France, en fait. Mais on a un problème. Moi, ma spécialité, c'est je suis prof de FLE pour public lusophone. Donc, j'ai surtout des étudiants du Brésil parce que je suis brésilienne, mais j'ai aussi des étudiants portugais et de plusieurs pays d'Afrique où on parle le portugais. Mais ce qui est fou, c'est que souvent, ces gens, quand ils arrivent à Paris ou dans d'autres villes en France, ils se rencontrent entre eux et ils vivent dans une espèce de bulle. C'est pour ça que souvent, il y a deux types de Portugais, par exemple, qui habitent en France. Il y a les Portugais qui sont venus il y a quelques années où souvent les parents ou les grands-parents étaient concierges dans des immeubles, dans les grandes villes. Et après, les enfants se sont vraiment adaptés, ils sont allés à l'école, ils se sont adaptés. Sinon, il y a des nouveaux Portugais qui arrivent en France, il y en a beaucoup, beaucoup. J'ai beaucoup d'étudiants dont le mari est chauffeur de camion en France, mais il est portugais. Et la femme, elle arrive en France, elle parle pas du tout de français. Ils se rencontrent entre eux, ils ne parlent que portugais. Donc, c'est très compliqué. Je dois toujours les inviter à vraiment entrer dans la culture française et tout. Qu'est-ce que tu penses de ça? Je pense que, bon, vous avez surtout un public qui parle anglais,
Mais est-ce que tu vois ce type de problème avec tes élèves, avec vos élèves, Charlie et toi? Ouais, totalement. Quand il y a beaucoup de gens qui viennent d'Amérique ou d'Angleterre, peu importe, qui trouvent un travail ici, ou alors qui sont transférés par leur entreprise en France, et du coup leur travail continue à être en En anglais. anglais. Ils parlent en anglais avec leurs collègues. Parfois, ils ont des collègues français, mais c'est juste plus rapide de parler en anglais. Et pendant la pause déjeuner, ils ont peut-être la flemme ou ils sont timides de parler en français. Ils connaissent pas vraiment du monde ici. Ou alors, s'ils connaissent quelqu'un, c'est encore une fois des anglophones ou des gens, des amis, des collègues, etc. Donc, ouais, ils restent vraiment entre eux. Et parfois, c'est assez difficile. De sortir de sa zone de confort et dire, bon, allez, je vais rencontrer des gens, mais comment je fais? J'ai 40 ans, c'est bizarre, ou 30 ans, ou peu importe. Et souvent, c'est pour ça qu'ils viennent vers nous, ils sont là, bon, bah, j'ai vraiment envie d'améliorer mon français. Et c'est là où on les aide à améliorer le français, mais aussi à trouver des solutions pour rencontrer des gens. On pousse beaucoup les gens à sortir un peu de leur bulle, de leur zone de confort, là-dessus. Tout à fait. C'est ce que je fais aussi, moi, souvent, quand j'ai des étudiants qui partent vivre en France. Je leur fais me promettre qu'ils vont prendre des cours d'autre chose. Genre, vraiment, tout simplement, je sais pas, prendre un cours de cuisine ou un cours d'une activité, faire une activité sportive, mais vraiment un endroit où ils vont rencontrer d'autres gens. Même s'ils sont étudiants à l'université, parce que souvent aussi, ils sont étudiants à l'université, ce qui se passe, c'est qu'ils vont passer un semestre ou voire un an. Mais les Français qui sont à la même fac qu'eux, ils ont leurs amis, ils ont leurs habitudes et ils vont pas forcément faire beaucoup d'efforts pour devenir amis avec quelqu'un qui n'est pas de leur culture. Mais tout simplement parce qu'on est tous comme ça, on est tellement engagés dans notre routine. Donc il faut vraiment essayer de s'ouvrir un peu à des activités où ils vont forcément rencontrer des francophones. Ça, Ouais, c'est sûr. non, c'est clair. Faire des petits travaux d'équipe ou sport d'équipe qui forcent un peu le contact, c'est Voilà. hyper difficile, ouais, c'est vrai. Voilà, C'est c'est pas ça. facile, hein, c'est pas facile. C'est pas Mais en facile. tout cas, c'est le cas en tout cas de beaucoup de gens. C'est ça résonne tout à fait avec toutes les histoires qu'on a vues, ce que tu racontes, c'est clair. Ouais. Alors, je t'ai dit que je suis en train de faire un marathon Amélie Poulain. C'est-à-dire que pendant 21 jours, je travaille sur le film d'Amélie Poulain avec mes étudiants. Donc, j'ai Très bien. quelques questions à te poser. La première, c'est est-ce que tu as déjà vu le film? Oui. Est-ce Bien sûr. que ce film a été le même succès qu'il a été au Brésil? Je sais qu'il a été il a eu un énorme succès. Est-ce qu'il a eu ce succès-là en France? Oui, bien sûr. Enfin, en tout cas, je me souviens, on est allé le voir au cinéma quand il est sorti. Je pense que plein de gens s'attendaient à rien. Ils ont vu un truc un peu désuet, un peu voilà, sur l'affiche, très cliché. Et tous les gens qui sortaient du cinéma étaient toujours scotchés, bouleversés, transportés. Ça, c'était un moment assez fort. Et puis après, moi j'ai fait aussi du piano quand j'étais plus jeune. Donc tous les gens qui faisaient du piano ou de la musique, bien sûr, après, apprenaient les morceaux de Yann Bien Tiersen. certain. C'était impossible de ne pas faire du piano et pas jouer Amélie Poulain. De jouer du piano et pas jouer. Non, de faire du piano et pas jouer Amélie Poulain, pardon, je m'embrouille parfois. Mais oui, bien sûr, Amélie Poulain, c'est culte, c'est un pur, un Oui. classique. Et il y a eu un effet au Brésil où je pense que tu dois avoir à peu près mon âge, Maya, je suis pas sûre, mais j'ai l'impression que tu dois avoir à peu près mon âge. Moi, j'ai 31, t'as pas besoin de dire quel âge tu as, mais moi, j'ai 31 ans. Et alors, moi, je l'ai vu, ce film, en France. J'étais en vacances chez ma grand-mère, qui habitait à Montpellier, et elle habitait sur la place de la Comédie. Je sais pas si tu connais Montpellier, mais il y a un cinéma juste en face. Sur la place de la Comédie, il y a un cinéma, et j'étais allée voir ce film. Donc, 2001, j'avais 12 ans. Et ça m'avait tellement, tellement touché le film que je m'étais vraiment identifiée au personnage d'Amélie Poulain. Et alors, ce qui est curieux, c'est qu'au Brésil, le film est sorti au Brésil quelques années plus tard, assez longtemps, 2 ans ou voire 3 ans, je me souviens plus exactement. Et il y a eu ce même effet où les gens, ce sont les femmes surtout, les filles, les femmes, se sont identifiées à ce personnage. Et jusqu'à aujourd'hui, dans les grandes villes comme São Paulo, il y a des filles qui s'habillent un peu dans le style, pas complètement, c'est pas un truc de cross-dressing,
Mais elles ont un peu une coupe un peu style Amélie Poulain, elles ont les chaussures d'Amélie Poulain, elles ont les couleurs d'Amélie Poulain. Je ne sais pas s'il y a ça en France. Est-ce que tu penses que ça a été si fort en France ou pas? C'est marrant, je ne suis pas sûre. Je pense que niveau style et vestimentaire, déjà la coupe de cheveux, non, parce que quand on pense à la coupe de cheveux carrée, frange, on pense à Chantal Thomas, mais on ne pense pas à Amélie Poulain forcément. Et je pense que ce style, c'est un truc un peu cliché français, c'est comme porter le béret, c'est pas un truc qu'on voit en France. Donc je dirais pas vraiment, c'est voilà, tout le style très français, cliché, carte postale. C'est pas vraiment un truc qu'on Tout aime. à fait. Et est-ce qu'il y a une scène que tu aimes particulièrement du film? Est-ce que tu te souviens? Oh, mais tellement. Enfin, je pense qu'on s'est tous beaucoup identifiés à ce personnage parce que ça parle de l'enfance et tout ça. Moi, c'est vraiment les 10 premières minutes du film qui sont tellement intenses, quoi. Où on suit le personnage et puis c'est bête, mais c'est tous les trucs autour du toucher où elle met les mains dans les petits pois ou dans les lentilles, je sais plus. C'est collectionné, c'est le garçon qui collectionne les photos. C'est assez difficile à choisir une scène, il y a tellement d'images fortes dans ce film. Mais en tout cas, ouais, moi, le truc je l'ai regardé il y a quelques mois avec Charlie et c'était la première fois que je le voyais depuis qu'il est sorti, sans doute. Et les 10 premières minutes du film m'ont bouleversée. C'était tellement intense avec la musique. Donc ouais, je dirais le début du film. Cool. Est-ce que tu as un Oh film préféré qui ne soit pas Amélie Poulain? non, c'est dur. Ou trois ou quatre, allez. Ouais. Qu'est-ce que je pourrais dire? Oh, c'est dur. Oh, j'aime pas ce genre de questions, parfois ça me fait stresser. T'inquiète, il ne faut pas que tu sois stressée, c'est juste pour. Est-ce qu'il y a des films que tu aimes? Donc, je ne parle pas de films préférés, mais des films que tu aimerais bien recommander aux gens, des films que tu penses, non, il faut vraiment voir ce film. Moi, j'oublie souvent, c'est drôle, parce qu'à la base, je suis comédienne. Mais souvent, j'oublie les films. Je les oublie, même si, par exemple, Amélie Poulain, non, parce que ça m'a vraiment marquée quand j'avais 12 ans, etc. Donc, ça a un peu fait partie de ma construction identitaire, d'une certaine façon. Mais sinon, je sais pas, souvent les Brésiliens, ils adorent le film Les Intouchables, le film français Les Intouchables. Moi, c'est un film, souvent je l'oublie, j'oublie que j'avais bien aimé ce film. Mais quand quelqu'un me le dit, je me dis, ah oui, mais vraiment, c'était vachement bien ce film et tout. Donc, il y a souvent des films comme ça. Où il y a moi, j'aime bien un réalisateur japonais. Oh zut, j'ai oublié son nom. Le pire, c'est que je vais me souvenir des titres en portugais. Mais il parle souvent des familles. Donc, par exemple, il y a un film en portugais, le nom c'est Père et Fils, en pluriel. Et c'est l'histoire de. Ah, ben zut, attends, je vais chercher le. Comment il s'appelle? Et c'est l'histoire donc d'un. En fait, c'est un père, il reconnaît pas trop son fils a 6 ans, et à chaque fois, il a l'impression que son fils n'a rien à voir avec lui. Et tout d'un coup, en fait, il se rend compte, il découvre que à la maternité, ils ont changé les bébés. Et alors, l'histoire, c'est une très très belle histoire où ils vont rechanger les enfants. Sauf que quand ils rechangent les enfants, ils se rendent compte que la paternité, c'est pas simplement un truc d'ADN, c'est pas simplement avoir le même sang que la personne, mais c'est toute l'histoire que tu as construite avec cette personne. C'est un très très beau film. Comment il s'appelle? Je vais chercher son nom pendant que tu réfléchis à la question. Marrant, quand tu parles de culture japonaise et d'histoire entre père et fils, ça me fait penser, c'est pas un film, mais ça me fait penser à toute la série de livres illustrés. Alors, est-ce qu'on appelle ça des mangas? Parce que c'est un peu plus, ça, c'est pas le même style, mais ça me fait penser à Taniguchi, je pense, ou je sais plus comment il s'appelle, le dessinateur, et il a plein de tomes, et c'est souvent un fils qui explore la vie de son père ou la vie de sa famille, et puis il recrée un espèce de lien, ou alors il pardonne un peu à son père. Enfin, c'est toujours très émouvant. Je remarque qu'il y a souvent ce thème-là au Japon, le fils et le père, c'est quelque chose de très. Le réalisateur, il s'appelle Kore-eda, avec deux E. Kore-eda. Hirokazu Kore-eda.
Hirokazu Koreeda. C'est OK. très très bien. En fait, il a plusieurs films. Il y en a un que je n'avais pas vu. Ici à São Paulo, on a un festival de cinéma tous les mois d'octobre. Et à chaque fois, il y a un film de lui. Et en fait, c'est assez drôle aussi parce qu'il travaille toujours avec une même comédienne. C'est une vieille dame, et en fait, comme tu la vois tous les ans, tu la vois vieillir. Et à chaque fois, au début, c'était la mère des familles. Avant, il y a longtemps, maintenant, c'est toujours la grand-mère des familles. Et alors, c'est super intéressant après de voir aussi. C'est toujours dans les relations de famille, les relations d'amour et de comment on peut essayer de comprendre et d'accepter les membres de nos familles et tout. Ouais, c'est vrai, c'est plus touchant. Ouais, en tout cas, pour parler d'un autre film, je pense qu'un autre film très culte français qui m'a beaucoup marqué, c'est La haine. Un thème qu'on retrouve souvent en France, c'est beaucoup les classes sociales. Et on parle souvent de Paris et ses banlieues, mais ça peut être n'importe où en France, mais c'est souvent à ça qu'on revient, parce que c'est là où le clash peut-être était le plus fort, ou peut-être que le nombre de gens et du coup le clash était plus fort. Mais oui, le film de Mathieu Kassovitz, c'était assez marquant. Je pense qu'il est sorti, j'étais vraiment très petite, hein, je l'ai vu bien plus tard, mais c'est assez, encore une fois, puissant en images, quoi. Et en Cool. musique. Et ouais. Non. De ton voyage au Japon, qu'est-ce qui t'a le plus marqué? Plusieurs choses. Je pense que l'accueil, ou en tout cas la manière dont le service, ou la manière dont les gens s'occupent de toi là-bas, que ce soit vraiment. Enfin, à peine on est arrivé à l'aéroport, que tout s'est passé très facilement. Personne ne parle anglais, mais tout est fait de manière à ce que tu passes le moins de temps possible, et tu donnes le moins d'efforts, tu fasses le moins d'efforts possible. Et ils font tout vraiment pour toi. Les valises étaient alignées, tout était tellement juste chou en fait. C'était que des petits gestes touchants en fait, tout le temps comme ça et tout le long. Et je pense que j'ai jamais vu qui que ce soit être stressé, énervé, comme on peut voir à Paris, voilà, quand on habite dans une grande ville. Après, est-ce que ça veut dire que c'est bien et c'est sain? J'en sais rien, je ne vais pas rentrer là-dedans. Est-ce que ça veut dire que les gens gardent ça en eux? Peut-être que c'est pas bien non plus, je ne sais pas. Mais c'était très agréable quand même. Ce truc-là était génial. Après, voilà, voir tous les. Voir tout le. Tout le enfin le visuel est tellement fort chez eux, toutes les pubs, tous les produits, les packagings, les matières, c'est impressionnant. Enfin, moi, c'est une mine de trésor pour moi, qui adore tout ce qui est artistique, tout ce qui est bel objet, artisanat, le détail, enfin le détail dans les packagings, les choses comme ça. Donc ouais, ça m'a beaucoup marqué aussi. Enfin, je savais que ça existait, mais j'avais envie de le voir en vrai, de le toucher, de le J'imagine. sentir. Ouais, nous on a cette proximité avec le Japon, mais je pense que ce côté-là du Japon, ce raffinement, etc., ça se perd de génération en génération. Ils arrivent ici, ils maintiennent leur, mais c'est comme partout, quoi. Même toi, par exemple, tu es d'origine croate, mais probablement il y a des choses de la culture croate que tu as déjà perdues et que tes enfants perdront encore plus, etc. Parce que c'est comme Non, ça. Si on ne maintient pas de contact avec la culture d'origine, c'est un peu comme la langue. Si on ne se maintient pas en contact avec la langue, ben, petit à petit, on la perd. Et c'est par rapport clair. à la langue française, ouais, dis-moi. Je voulais te demander si toi, on parle beaucoup du Japon, mais est-ce que vous avez eu l'occasion d'y aller, ou si toi, tu Moi, as non. fait. Mon mari, oui. Parce que, curieusement, sa mère y a habité 17 ans. D'accord. Ah ouais. Pendant 17 ans, elle a habité au Japon, pas à Tokyo, dans des petites villes. Il y a beaucoup, comme je t'ai dit, il y a beaucoup de Japonais qui sont venus au début du dernier siècle vivre au Brésil. Et donc, après, il y a eu tout un mouvement de Nisei, donc les enfants de Japonais ici, qui repartaient au Japon pour travailler dans les usines.
Donc, ouais, pour travailler dans des usines, dans des fabriques, donc vraiment dans un travail très, très dur, parce que d'ailleurs, ce type de travail au Japon, c'est un travail très dur. Il y a même des histoires où, des moments où ils peuvent pas aller aux toilettes, ou des trucs un peu fous. Vraiment, le travail, ils ont une notion du travail très différente de nous, les Occidentaux. Et comme ils allaient vivre dans ces milieux-là, des milieux de travail vraiment, par exemple des trucs de packaging de nourriture ou un peu de tout, hein. Et donc ma belle-mère, elle y a habité avec son mari pendant 17 ans au Japon. Et alors c'est fou, elle ne parle pas du tout japonais. 17 ans au Japon sans parler de japonais. Pourquoi les Nisei partent souvent au Japon? Parce que au Japon, ils payent très bien. Et alors, comme c'est des gens qui sont d'origine japonaise, ils ont droit à avoir le visa pour y habiter. Mais il y a aussi, je sais pas très bien, je vais pas trop parler de ça parce que je sais pas très bien. Je sais qu'il y a une connotation un peu ambiguë par rapport au Nisei. Donc, si vous êtes japonais, que vous repartez au Japon et que vous n'êtes pas né au Japon, il y a une vision un peu. Les Japonais même, ils aiment pas trop. Donc, ils sont un peu mal vus. Mais voilà, donc ma belle-mère, elle y a habité 17 ans, elle a travaillé et souvent, ils gardent de l'argent et ils reviennent au Brésil et ils font quelque chose avec cet argent-là. Du coup, ma belle-mère et mon beau-père, même pas ça. Ils ont tout gaspillé dans des jeux. Parce que tu sais qu'au Japon, il y a beaucoup de machines de jeux. Le pachinko, oh Ah, tu non, m'as tout dépensé, tu peux le croire. non, 17 non. ans, tout dépensé. Ils se sont bien amusés, en tout cas. Il y a quelqu'un qui te demande comment est le climat au Japon. Donc, comment. Nous, on y allait. C'était quoi? Ah, bah, c'était fin avril, début mai. Et il faisait un peu frais, mais il faisait beau. On était habillés un peu comme ça. On avait un petit gilet, parfois juste en t-shirt. C'était pas trop chaud. C'était très agréable. C'était vraiment bien. Alors, Mais je connais pas les autres moments. Apparemment, l'hiver, il fait très chaud. j'avais pensé à ça, que ça serait drôle, parce qu'aujourd'hui, tu es moins habillée que moi. J'habite en Oui, Brésil et toi en oui. France, moi je suis hyper C'est vrai. froid, Écoute, là, c'est hyper un peu polo. l'été. Et le pire, c'est qu'ici, on n'a pas de chauffage. Ça Chauffage, n'existe pas, pourquoi? le chauffage. Ah ouais. Ouf. Elles sont bien isolées, les Pas du apparts tout. et les maisons. Pas du tout. Ok. C'est pour Et il ça fait que, très regarde, chaud je suis ou... en veste, j'ai un t-shirt, j'ai un pull en laine, j'ai une Ouais. veste, j'ai une écharpe à l'intérieur de la maison. Ça se fait pas, ça. En France, en hiver, t'arrives, t'enlèves ton écharpe, tu restes pas en écharpe, en veste. Non, non, non. Et ça descend jusqu'à combien en hiver? Je ne me rends pas très bien compte de Ça l'hiver. dépend de la région du Brésil. Par exemple, je D'accord. suis sûre qu'il y a des gens ici qui sont dans le nord-est du Brésil où il n'y a pas du tout d'hiver. Là, il doit faire 30 degrés chez eux. Moi, j'habite à São Paulo. São Paulo, c'est dans le sud-est du Brésil. Et ces derniers jours, il a fait très froid pendant la journée, 9 degrés. Donc ça, c'est très froid pour nous. Bon, ben, tu peux imaginer que dans les maisons, il n'y a pas de chauffage. Donc la nuit, pendant la journée, il fait 9 ou 10 degrés. La nuit, il peut faire 4, 2. Il fait pas zéro. C'est très, très rare qu'il fasse zéro. Et dans le sud du Brésil, là, oui, il peut faire super. Est-ce que quelqu'un habite ici? Ah, il y a quelqu'un qui t'a posé une bonne question aussi. Est-ce que quelqu'un habite dans le sud du Brésil et pourrait dire combien il fait aujourd'hui? Roberto te demande, est-ce qu'elle a des plans pour venir, donc, de venir au Brésil? Pas là à court terme, mais ça fait partie d'une des destinations que je rêve de faire, ouais, vraiment. Mais pas là tout de suite, non, mais ouais, un jour, c'est Bon, sûr. là, tout de suite, personne ne sort de chez soi. Là, Donc, ouais. C'est est-ce que sûr. normalement, vous voyagez toujours pour les vacances ou pas? Oui, d'ailleurs, c'est marrant, mais là, on était au mois d'août, on n'a pas voyagé. Et on a eu une discussion autour de ça avec Charlie et on s'est rendu compte qu'il y a quelque chose de très culturel autour des vacances. C'est que j'ai une sorte de frustration. Alors, je ne sais pas si c'est lié à la pandémie et tout le monde est passé par une phase de frustration de ne pas pouvoir être libre de faire ce qu'il veut.
Est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est bah, j'ai envie de partir en vacances et je peux pas et en France on fait ça et j'ai vu des gens sur Instagram et j'avais de la FOMO. Je ne sais pas exactement, mais Charlie n'était pas trop stressé par ça et on en a parlé et je crois que c'est un truc assez français aussi. Le mois d'août, tout le monde part en vacances et si tu pars pas en vacances, bah, les gens te disent oh ma pauvre, tu vas rester travailler, c'est dur. Ça, ce genre de discussion, ça n'existe pas aux États-Unis en fait. Je ne sais pas comment c'est votre culture autour des vacances. Nous, D'ailleurs, combien de vous avez de vacances au Brésil? Est-ce que c'est on des a alors semaines? si on travaille dans la loi, on a 30 jours. Ah, si, 30 quand même, jours c'est de beaucoup. vacances. Mais normalement, parce que nous, l'été, c'est en décembre, janvier, février. Ça, c'est l'été. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que normalement, les grandes vacances correspondent. Une partie des vacances de quasi la totalité des gens, c'est entre le Noël et Nouvel An. Donc, les gens, ils partent en vacances à peu près le 20 décembre et ils reprennent le travail le 4 janvier ou un truc comme ça. Donc voilà, là c'est vraiment l'époque où il y a les vacances. Alors c'est drôle parce que ça correspond avec les fêtes, avec Noël. Et pour nous, c'est très 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 important le réveillon du jour de l'an. Le jour de l'an, c'est plus important que Noël. En France, Noël, c'est plus important que Nouvel An, d'une certaine façon. Et au Brésil, non. Il y a quelqu'un qui a dit... Dans le sud, les derniers jours, il a fait moins 3 degrés et aujourd'hui, il fait 23. Donc, voilà le Brésil. Donc, C'est un gros c'est écart un là. peu fou, c'est ça, parce qu'il y a 4 jours, il faisait 28 degrés. Et là, j'ai super froid et peut-être que dans 3 jours, il va refaire chaud. Et C'est fou, oui, non. regarde, en même temps, aujourd'hui aussi, Mato Grosso, 35 degrés. Wow. Okay. Et ça se passe dans le nord plutôt? Non, Mato Grosso, c'est centre-ouest. D'accord, ok. Ah oui, bah, tout... après le pays est tellement énorme Ouais. qu'il y a des grosses différences. Ouais, ça m'étonne pas. Mais voilà, donc nous, les vacances, elles correspondent souvent à cette époque-là. Donc l'équivalent du mois d'août pour nous, c'est le mois de janvier, décembre-janvier. Et Et est-ce c'est que du coup, le reste des vacances, ils le prennent Alors, ils peuvent plutôt reprendre 15 jours, par exemple. La plupart des entreprises ferment et donc donnent des vacances à tout le monde entre Noël et Nouvel An. Et après, ils reprennent 15 jours de plus à un autre moment de l'année. Et sinon, pour l'année scolaire termine en décembre, commence en janvier, février. Et il y a moins de vacances qu'en France. Moi, j'ai eu la chance parce que j'étais dans un système français ici. J'étais au lycée français de São Paulo. Donc j'avais les vacances françaises parce que au Brésil, a priori, on a les vacances. Donc l'année commence. À mon époque, ça commençait en février. On avait un mois de vacances en juillet, au mois de juillet, et on avait un mois et demi de vacances entre décembre et on avait tout le mois de janvier. On avait une partie du mois de décembre. Ah oui, d'accord, ça fait les vacances d'été, ouais. Okay. Mais Voilà. c'est juste ces deux moments de l'année, c'est pas, il n'y avait Voilà. pas. Il n'y avait pas les vacances de Pâques et les vacances il n'y avait pas Ouais, ça. Toutes ces vacances. Je voilà. pense, j'ai vu dans un truc, tu vois qui c'est le réalisateur américain Michael Moore. Oui, Je ne sais pas si tu as déjà vu un film où il veut piquer des bonnes idées aux autres, aux différentes cultures. J'ai pas oublié sûr, comment ça s'appelait. Mais il dit, bon, les États-Unis, a priori, on est colonialiste et on pique les bonnes idées de tout le monde. Donc moi, je vais piquer les bonnes idées de différentes cultures. Donc il va en Italie pour parler de vacances, il va en France pour parler de je sais pas quoi. Alors c'est ça. Je pense que dans ce film-là, il dit que la France est un des pays où il y a le plus de vacances au monde Je et pense, de hein. jours congés. Sans doute. Je ne sais pas comment c'est dans les pays scandinaves, mais c'est possible qu'on soit en fait. Ouais. C'est vrai, en France, on a 5 semaines, et quand on est à l'école, c'est peut-être même plus parce qu'on a des vacances toutes les 6 semaines. 6 semaines de cours, vacances. 6 semaines de cours. Mon frère, il est instit en France Ah bah ouais. et donc il a beaucoup beaucoup de vacances. Et c'est ça, il travaille 6 semaines et il repart en vacances. 6 semaines et il repart en vacances. C'est ça. Et Est-ce t'as qu'il doit préparer des choses pendant les vacances ou... Parce que souvent, c'est la question, est-ce qu'ils ont sans doute du travail aussi, des choses à préparer?
pour la Les étudiants? Bon, non, les profs. Ah, mais mon frère ou les profs au Brésil? Ton frère, du coup, qui est un site. Il est un site en France, donc il est un site à Alfortville. Oui, souvent, il a des trucs à préparer. Mais en même temps, souvent, ils ont plusieurs années d'affilée, ils ont les mêmes classes. Donc, ils peuvent profiter d'un truc, tu vois. Il était un site au lycée français ici au Brésil, donc il avait déjà eu cette expérience. Il doit toujours préparer de nouvelles choses, mais il y a aussi des activités qu'il a préparées un an et que l'année suivante, ça marche de nouveau, tu vois, si c'est un truc qui a bien marché. Après, s'il doit refaire un truc, c'est des Oui, c'est détails. De vrai toute que c'est façon, beaucoup. mon frère, c'est un accro de vélo. Donc, il voyage à vélo tout le temps et toutes ses vacances, il trouve un moyen de partir à vélo quelque part. Sais pas si la France est plus facile parce qu'il peut beaucoup pleuvoir. J'espère qu'il va dans le sud quelque part ou. Là, par exemple, pendant les vacances, il habite à Alfortville et ma mère habite à Nîmes. Il est allé jusqu'à Nîmes à vélo et il est remonté à Paris après. Il a fait Ouais. l'aller-retour. Ah, c'est fou. Ouais. C'est impressionnant. Maya, dis-moi, quels sont les. Comme ça, on termine bientôt, mais quelles sont les plus grandes difficultés des étudiants français? Ça, ce qui est intéressant, c'est que on remarque que chaque personne est tellement différente. Et chaque personne fait des erreurs assez. Après, bien sûr qu'il y a la grammaire, la conjugaison, les trucs qui reviennent. Mais parfois, c'est peut-être très unique à des élèves. Et c'est ce que je trouve passionnant, c'est que une de mes dernières élèves avait du mal avec la conjugaison, juste avec les pluriels. Et tout le reste, ça allait, mais les pluriels, elle n'y arrivait jamais. Donc, je trouve ça fascinant. Ça peut vraiment dépendre, mais bien sûr que les conjugaisons, le subjonctif, tout ça, c'est compliqué à comprendre, pourquoi. Et l'autre truc que je dirais, c'est vraiment la confiance en soi et parler et sortir de sa zone de confort quand ils connaissent personne. C'est pour les gens qui sont en France et qui doivent rencontrer des gens, mais c'est autant plus difficile pour des gens qui ne sont pas en France et qui doivent trouver des gens sur Internet ou dans leur ville. On leur dit d'aller dans des meet-up, de regarder sur meetup.com. Et ouais, c'est beaucoup la confiance en soi. Sans doute parce que, je ne veux pas généraliser, mais c'est vrai qu'on a plein de femmes qui nous suivent et qui prennent des cours avec nous. Alors, est-ce que c'est un truc plus généralisé, manque de confiance en soi, je sais pas exactement, mais en tout cas ça revient beaucoup d'avoir peur de faire des erreurs, d'avoir peur de déranger. Du coup, on les motive à faire des erreurs avec nous, leur montrer que nous aussi on fait des erreurs. Enfin, moi je fais des vidéos en anglais et mon anglais ça va, je me débrouille bien, mais je fais des erreurs parfois assez comiques. Et du coup, j'essaye beaucoup. Voilà, on essaye beaucoup de les faire gagner en confiance en soi. Il y a plein de choses qui sont liées. C'est pas juste apprendre la grammaire, je trouve. C'est plus profond Oui, que ça. moi je leur dis souvent, ils me disent, ah, oh, je veux parler couramment le français. Et alors ils viennent avec cette idée-là fixe dans la tête. Moi je veux parler couramment, je vois là plusieurs personnes qui disent le passé composé et les verbes, le passé composé et les verbes. Et alors s'ils ont ça dans la tête, ils arrivent tout simplement pas à parler. Et ce qui est Exactement. important aussi, c'est comme tu as dit, nous aussi on fait des erreurs. Moi aussi je fais des erreurs en portugais, en français, en anglais, en espagnol, dans toutes les langues que je parle, je fais des erreurs. Et parler couramment une langue, ça ne veut pas dire ne pas faire des erreurs. Ça veut dire parler même si on fait des erreurs. Ouais, c'est pouvoir s'exprimer, avoir des conversations. Enfin, nous, on trouve ça tellement, enfin, vraiment frustrant de voir des gens qui apprennent le français pendant 8 ans, 7 ans, 6 ans, j'en sais rien, et qui sont incapables de tenir une conversation. Mais parce qu'en fait aussi, on ne leur a pas vraiment appris que bah, apprendre une langue, c'est pas se concentrer sur les règles de grammaire, apprendre une liste de vocabulaire, mais c'est rendre le truc un peu plus vivant, rencontrer des gens. Et c'est là où tu es aussi plus motivé, parce que on dit souvent, quand tu tombes amoureux, tu apprends une langue plus vite. Il y a du vrai là-dedans, mais même quand tu fais des amis, ça aide beaucoup. Et je pense que c'est aussi, voilà, comprendre, apprendre différemment, en fait. Se dire que tu vas pas juste
apprendre plein de règles. Et puis automatiquement, tu vas parler français, c'est pas possible. Il Non. faut entraîner ce muscle-là aussi, en Tu fait. vas avoir tellement de règles dans la tête et tu vas avoir Ouais. tellement peur de faire des erreurs que tu vas tout simplement pas parler. Moi, j'ai un cours en ligne et dans mon cours en ligne, ils ont des cours de conversation. Et souvent, ils me disent, mais depuis le début, je dois prendre des cours de conversation, mais je sais rien. Mais c'est justement là où il faut essayer de parler. Parce que si vous attendez de savoir pour parler, vous n'allez jamais savoir. Alors, c'est un peu inverser la logique. Exactement, ouais. C'est commencer le plus tôt possible et s'amuser en le faisant. Voilà. Et puis, c'est aussi, je pense, prendre le réflexe de ne pas être tout le temps, parce que quand on regarde les règles de grammaire, on les regarde dans notre langue, que ce soit l'anglais, le portugais ou autre. Et c'est apprendre très vite à rester dans le français. Et l'une des premières choses qu'on apprend à nos élèves pendant les cours privés, c'est comment dire je veux dire ça, ou comment dire ça, ou qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que tu as dit. C'est apprendre les petites phrases qui vont te permettre de poser les questions en anglais, pas en anglais justement, en En français, français. et de répondre en français tout le temps. Et ouais, il y a plein de choses comme ça qui sont intéressantes. Mais c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Commencer à parler le plus vite possible, même si c'est parler comme un homme de Cro-Magnon, on s'en Tout fiche, mais il faut parler le plus vite, quoi. Et à pas, fait. pas, ça ne veut pas dire parler comme je parle là, mais essayer de faire des phrases, c'est déjà énorme. Prendre des risques. Il y a une expression Ouais. en portugais, c'est. En portugais, c'est quem não arrisca não petisca. Qui ne prend Ouais. pas de risque ne grignote pas. C'est à peu près un truc comme ça. Donc, c'est vraiment ça. Si tu prends pas de risque, si tu sors pas de ta zone de confort, tu seras jamais en mouvement. Parce que l'apprentissage, c'est vraiment te sortir de ta zone de confort, te faire voir que tu es capable de comprendre beaucoup plus que ce que tu penses que tu es capable. Et que donc aussi, tu es capable de communiquer beaucoup plus. Parce que 30% de la communication passe par les mots et 70% c'est par les gestes, c'est par les intonations, par les regards, par le corps, par d'autres choses. Et ça, on est tous des êtres humains. Et même si les codes sociaux sont très différents, il y a quelque chose qui passe. C'est pour ça que probablement tu étais au Japon et même s'ils parlaient pas japonais, tu parlais pas japonais, ils parlaient pas anglais, vous avez trouvé une façon de communiquer. Ouais, c'est vrai. Non, c'est intéressant. Non, c'est clair. Enfin, en tout cas, pour rebondir sur cette idée de communiquer et de sortir de sa zone de confort, Charlie n'est pas là pour raconter son histoire, mais je vais le faire pour lui. C'est vraiment ce qui l'a aidé le plus, en fait, pour raconter son parcours. Il a appris le français à la fac, il a pris voilà, des cours, il a appris pendant 2 ans. Il n'a pas trop avancé, pas assez comme il le souhaitait. Et il s'est mis à sortir de sa zone de confort. Enfin, il est assez impressionnant dans ce sens-là où il pose pas trop de questions, ou en tout cas, il se dit, si je le fais pas, je pourrais jamais savoir. Et s'il était jamais sorti de sa zone de confort, on ne se serait jamais rencontré, en fait. Parce que du coup, il a commencé à aller à des meet-ups, il a rencontré des Français, et puis il s'est dit, bah, je veux partir un mois tout seul en France, et puis je vais aller rencontrer des Français, et je vais tester mon français. Enfin, il n'y a pas beaucoup de gens qui seraient peut-être qui pourraient faire ça, mais c'est possible en tout cas. Et c'est là où on s'est rencontrés, c'est quand il a passé un mois en France à vouloir pratiquer son français et le tester et rencontrer des Il a gens trouvé aussi. Maya pour pratiquer son français. Voilà. Excellent. Et comme tu dis, si on ne teste pas, si on sort, c'était quoi l'expression, mais si on ne sort pas L'expression, de c'est sa on grignote pas. Si on ne prend pas de risque, on ne grignote zone. pas. C'est ça, si on ne prend pas de risque, en fait, on peut passer à côté de quelque chose, en fait, vraiment, à côté Tout à fait. d'expériences assez fortes. Tout Mais à fait. voilà. Ah super Maya, je pense que notre temps termine. Instagram me coupe quand on a fait 1 heure. De toute Ouais. façon, je te remercie énormément. C'était un plaisir. Ça a été très très bien de te connaître un peu plus, de parler avec toi. Je suis sûre que tous les gens qui sont là vont beaucoup aimer votre profil sur Instagram. D'ailleurs, je trouve que c'est très très bien toutes les recommandations que vous mettez de brut, de podcast, de vidéo, de ah, ça va couper, etc. Donc, si vous voulez
rencontrer Maya, aller chercher Street French. Merci beaucoup, Maya. Embrasse Charlie de ma part. Et j'espère à très bientôt. Ouais, à très bientôt. Merci de m'avoir eu ici. C'était hyper sympa. Et... Super. Bisous. Ciao, ciao. Merci à tout le monde. Ciao. Salut.